والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي الخامسة والعشرون من شهر شوال لعام أربع واربعين وأربعمائة وألف للهجرة الموافقة للثالثة عشر الرابعة عشر من شهر مايو. ها؟ الرابعه عشر من شهر مايو لعام ثلاث وعشرين والفين كعادتنا في ليالي الاثنين نذكر اخبار خيار الناس بعد الانبياء والمرسلين اعني بهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين وهذه بعض الحلقات التي شرعنا فيهن في ذكر حياتي وسيره ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وكنا قد توقفنا في لقائنا الاخير عند ذكرنا لخبر وفاه زوجته رقيه بنت محمد عليها رضوان الله وعلى ابيها الصلاه والسلام وكيف دفنت بالبقيع والنبي صلى الله عليه وسلم على وشك الرجوع إلى المدينة النبوية بعدما أنزل الله تبارك وتعالى عليه جندا من السماء ليؤيدوه في بدر فحازوا وفازوا فحازوا بالظفر وفازوا بالأجر والنصر ميت خشاف خير ننو Retrouvons dans cette 25e nuit du mois de شوال De l'an 1444, c'est-à-dire le 14 mai 2023. Comme chaque dimanche, nous nous retrouvons ici à la mosquée afin de raconter les histoires des meilleurs êtres humains après les prophètes et les messagers dans toute l'humanité, c'est-à-dire les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les agré. Et ça fait maintenant quelques séances que nous nous sommes penchés sur. La biographie de celui qu'on appelle l'homme aux deux lumières, Uthman ibn Affan, un des quatre califes bien guidés et un des premiers à s'être converti, un de ceux qui ont fait, qui a fait, qui ont fait pardon les deux émigrations et qui ont pris dans les deux directions et dont le prophète est mort en, état, en étant satisfait de lui et qui fait partie de ceux qui ont été promis au paradis. On s'était arrêté lors de notre dernière rencontre à cet événement tragique qui était la mort de son épouse, Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment elle a été enterrée dans le cimetière de l'Baqi', au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre du ciel une armée pour aider et assister son prophète bien-aimé et ainsi lui accorder une éclatante victoire. Face à ses ennemis pendant la bataille de Badr et on avait donc dit que Othman radhiyallahu anhu n'avait pas assisté à cette bataille tarayba Othman radhiyallahu anhu عن غزوه بدر بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ليبقى بجنب زوجته ليمرضها on avait dit que Othman radhiyallahu anhu donc a dû s'absenter et ainsi n'a pas pu assister à cet événement comment dirais-je, historique, qui est la bataille de Badr, parce que son épouse Rokaïa était malade et le prophète lui a ordonné à de rester à ses côtés pour la soigner et s'occuper d'elle. Il a donc raté cet événement spécial. Événement spécial, pourquoi Parce qu'Allah Allah al-kamadja al-fid alika al et ala al badrine. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فلأجل هذه الحسنة العظمى ما الله عز وجل عنهم جميع سيئاتهم وبشرهم بالجنة كلهم comme ils ont fait une énorme bonne action en combattant aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam lors de cette bataille Allah تعالى par ce biais là a effacé tous leurs péchés et leur a tous promis le paradis. Le prophète nous a, interdit, nous a, nous a informé, qu'Allah a regardé les gens qui ont participé à la bataille de Badr et leur a dit, faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez comme action, après ce que vous venez de faire, sachez que vous bénéficierez de mon pardon. Et donc à travers cela, il y a une annonce comme quoi jamais ils ne quitteront l'islam et nous mourrons sur la, la mécréance et qu'ainsi ils feront partie des <coughs> gens du paradis. Et donc al anhu techniquement, n'a pas participé à la bataille de Badr. Et pourtant, le prophète والسلام, lui a réservé un traitement spécial. Lamma كان سبب تغيب عثمان رضي الله عنه عن غزوه بدر امر النبي صلى الله عليه وسلم له بتمريض ابنته لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه وهو في بدر اخذ يده اليسرى بيده اليمنى وقال هذه عن عثمان ثم لما فتح الله عز وجل عليهم ونصرهم وجمعوا الغنائم جعل النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان حظه ونصيبه من الغنيمه واتفق العلماء ومنهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم سهمه من الغنيمه فهو كمن اجتهد الغزوه وكمن حضر في ساحه الوغاء ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه خبر وفاه ابنته واستقبله عثمان وفي صدره من الحزن والالم ما الله تبارك وتعالى به عليم وكما قال الشاعر تئن الضلوع وما يستجيب لهذا الانين سوى الاضلوع يعني هذا الانين هذا الحزن في قراره النفس وفي سويداء القلب ولا يعرف مداها ولا يذوق طعمها الا صاحب هذه النفس فلما استقبله النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان لك اجر من شهد بدرا وسهمه ان لك اجر من شهد بدرا وسهمه لماذا؟ لانه ما حبسه وما منعه من عن الحضور وما حاله وما حال بينه وبين صحبه النبي صلى الله عليه وسلم الا ما سبق ذكره وما قد سمعتم وعليه فقد روى الامام احمد رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه كان يقول بعد ذلك اني تخلفت يوم بدر فاني كنت امرض رقيه رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمي ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه فقد شهد وبوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا فسماه تسميه من سمي من اهل بدر وذكر تحت هذا الباب اسماء من حضر هذه الغزوه العظيمه ومن ضمن المذكورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه فلم يختلف اثنان من ذوي العقول السليمه والصدور الطيبه والقلوب اللينه التي عمرها الايمان واليقين ان عثمان رضي الله عنه كان من « Min man shahida badran rahma Afi afidhalik » Donc, Othman radiyallahu anhu, lorsque le prophète est rentré à Médine, alayhi salatu wassalam, plutôt avant que le prophète n'arrive à Médine et que les gens se préparent à, à participer à la bataille, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam se lève au milieu des gens et Saisit sa main gauche de sa main droite en disant celle-ci est pour Uthman. Est cet acte-là qui représente l'allégeance et le fait de prêter serment de combattre aux côtés du prophète, le prophète l'a faite à la place de Uthman car c'est lui qui lui a demandé de rester à Médine. Et donc, il a fait cet acte-là devant tout le monde pour qu'il sache. Que c'est comme si Uthman était parmi eux et allait combattre à leur côté. Après la bataille, après qu'Allah leur a donné la victoire et qu'ils ont ramassé le butin, le prophète se, se, se dirige vers sa ville, à Médine, et lorsqu'il arrive sur place, il apprend la mort de sa fille. Et Oussama ibn Zayd et Uthman ibn Uthman, l'accueillent. Et là, vous êtes en droit d'imaginer d'essayer d'imaginer ce qu'il y a dans la poitrine du prophète en rentrant à Médine et en apprenant la mort de sa fille et ce qu'il y a dans la poitrine de Othman qui en plus de ne pas avoir pu assister à cet événement là doit essuyer ses larmes sur la mort de son épouse qui vient à peine d'enterrer imaginons essayons d'imaginer la tristesse qu'il y a dans leur cœur. Et l'amertume, essayons d'imaginer, le poète il disait, les côtes crient de douleur, et seules les côtes dans le côté opposé peuvent répondre à ce cri. Chaï, ça veut dire quoi C'est que la douleur elle est à l'intérieur, elle est dans la poitrine, le cœur et la poitrine brûlent à l'intérieur de douleur et de tristesse suite à l'événement. Et personne ne peut répondre à l'extérieur vu que tout se passe à l'intérieur. Et c'est des gens, comme Allah dit dans le Coran, Sabrun Jamil. C'est des gens qui supportent en eux-mêmes des, des, des douleurs, des souffrances énormes, mais rien ne paraît sur les traits de leur visage. Tu le regardes, on dirait un individu parmi les gens qui n'a pas été touché par une catastrophe. Alors que dans sa poitrine, c'est un volcan qui entre en éruption. Et là, le prophète, malgré la, 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 la douleur qui brûle sa poitrine à lui aussi, et la tristesse d'avoir perdu sa fille, parce qu'il est important de savoir qu'avant cela, le prophète a perdu deux enfants, des garçons en bas âge. Mais Ruqayya est la première de ses enfants qui est morte alors qu'elle a été âgée. On a dit qu'elle avait entre 20 et 22 ans selon les historiens à ce moment-là. Et perdre une fille qui a 20, 22 ans, ce n'est pas comme perdre un enfant qui a quelques mois ou au maximum un ou deux ans. Donc la douleur, elle est. c'est la première fois que cet enfant en question qui est perdu euh, est un adulte qui a vécu. Donc le prophète aussi, il est triste, wa sallam. Et pourtant, il console Othman et il lui remonte le moral. Il prend sur lui et il lui dit, tu as la même récompense que ceux qui ont participé à la bataille de Badr, et tu as la même part que du butin. sahmah. c'est la part du butin. Il lui a donné une part du butin. Alors qu'il n'était même pas là. Et Uthman disait longtemps après, anhu que la raison pour laquelle il n'a pas assisté à la bataille de Badr, c'est parce qu'il était aux côtés de son épouse Ruqayya, après que le prophète lui a ordonné, alayhi salatu wassalam, et le prophète lui a donné sa part du butin. Et toute personne qui a reçu sa part du butin, c'est qu'il a participé à la bataille. Et pourquoi est-ce qu'il précisait cela Parce qu'on verra par la suite que les gens se sont servis de cet événement-là pour lui reprocher, faire des reproches. Tu n'as pas été à Badr toi en mettant de côté, bien entendu, tout, toutes les circonstances qui l'ont qui empêché d'y assister. On en reparlera après, ta'ala. Et dans Sahih al-Bukhari, l'imam al-Bukhari, il y a, a, a un chapitre dans lequel qu'il a nommé, le, qu il a nommé donc la liste des noms de ceux qui ont participé à la bataille de Badr. Et dans cette liste-là figure le nom d'Uthman, radiallahu anhu ardah. Il a, c'est comme s'il avait participé lui aussi à la bataille de Badr. D'après la parole du prophète alayhi salatu wassalam et d'après l'unanimité des savants au cœur pur et aux poitrines saines qui euh, se soumettent au texte. Contrairement à ceux qui n'ont dans le cœur que des ténèbres et de la déviance. alayhi سهمه من الغنيمه مع تغيبه عن الغزوه اجاب عن هذا السؤال العديد من اهل العلم ومن الاجوبه الموجوده في كتبهم ان الغنيمه في ذلك الوقت لم تكن تحت القسمه المعروفه وهي ان الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم ولي الأصناف المذكورة في الآية وأرباع الأخماس الباقية للمقاتلين وقعت غزوة بدر قبل نزول سورة الأنفال التي قال الله تبارك وتعالى فيها واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله الآية وقبل ذلك كانت الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم كلها يتصرف فيها كيف يشاء فيعطي ما يشاء لمن يشاء لذلك اعطى لعثمان نصيبه من من الغنيمه ولذلك قال اهل العلم ان ما انما وقع لعثمان قضيه عينيه لا يؤخذ منها قاعده عامه بعد Quelqu'un pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que le prophète a donné à anhu une part du butin alors qu'il n'a pas assisté à la bataille Eh bien, il est important de préciser que le partage du butin en cinq parties, dont un cinquième revient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et aux catégories évoquées dans le verset de Surat Al-Anfal, ce partage-là a été révélé avec Surat Al-Anfal, qui a été révélé après la bataille de Badr. Mais avant cela, le butin revenait entièrement au prophète alayhi salatu wassalam, et il le partageait comme il le voulait. Et il donnait ce qu'il voulait du butin à qui il voulait. Et c'est pour cela que Uthman anhu, a reçu sa part du butin. Et donc, on ne peut pas faire de cet événement-là un événement duquel on déduira une règle générale. Comme quoi toute personne qui n'a pas participé à la bataille pour une raison quelconque pourra bénéficier lui aussi d'une part du butin. Non. N'aura le droit au butin que les personnes présentes sur le champ de bataille le jour, du, le jour de, 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 de la bataille. C'est ce qui a été donc, euh, euh, évoqué par la suite après la révélation la du verset de surat Al-Anfal. Donc un cinquième pour le prophète et les catégories évoquées dans le verset, et le reste, les quatre cinquièmes restants reviennent entièrement aux, aux combattants qui ont participé à la bataille. « Thumma ba'da dhalika lamma staqarra al-amru wa 'ada nasu ila manazilihim wa masaha an nasu dumu'ahum ala wujuhihim ba'da ما أصابوا في اقاربهم قرر النبي صلى الله عليه وسلم ان يزوج عثمان ابنته الاخرى الا وهي ام كلثوم ولتزويجه إياه بها قصة euh, euh, يستفاد منها العديد من, من الفوائد الفوائد. هي 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 Et après que les gens soient retournés chez eux et que les jours ont repris leur routine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de marier Uthman à son autre fille, Umm Kulthum, anha. Et l'histoire du mariage de Ousmane à Umm Kulthum est particulière et pleine de leçons. Awalan, yajibu an yu'lama ان من ضمن من استشهد او من استشهد نعم يوم بدر حذافه زوج حفصه بنت عمر رضي الله عنه فاعتدت حفصه عده المتوفى عنها زوجها وبعد تمام العده ذهب عثمان الى عمر يخطبها منه لكن عمر رده ولم يقبل زواجه بها قال اهل العلم ان سبب رفض عمر لتزويج عثمان ابنته حفصه انها لم تزل مصابه ولم تزل حزينه على فراق زوجها ولم تجد رغبه في الزواج بعد ولم يرفض عمر طلب عثمان لسبب اخر ويدل لذلك ان أن عمر لما وجد من ابنته انها استعدت للزواج وتهيات له وتركت حزنها ذهب الى عثمان ليعرضها له لكن وقع بعد ذلك امر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ذكر حفصة لبعض أصحابه وهم أبو بكر وعثمان والقصة المعروفة أن عمر ذهب إلى أبي بكر أولا وعرض له ابنته حفصة فلم ينبس أبو بكر ببنت شفة يعني لم يتكلم بكلمة لم يرد له جوابا فوقع سكوته في نفس عمر ثم ذهب إلى عثمان فعرض له حفصة مع أن عثمان جاءه قبل ذلك وابتدأه بالخطبة فوقع في ظن عمر أن عثمان مقبل على ذلك فقال له عثمان دع أمهلني حتى أنظر في شأني فمرت أيام ثم رجع عمر إلى عثمان فقال له عثمان لم أرى أن أتزوج اليوم ثم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فخطب حفصه وجاء في روايه ذكرها الحاكم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه لا ذكرها عفوا ابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد فقال صلى الله عليه وسلم يا عثمان لا الرواية السابقة التي ذكر التي رواها الحاكم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه خطب إلى عمر ابنته فرده فبلغ ذلك النبي صلى, النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراح إليه عمر قال صلى الله عليه وسلم يا عمر الا ادلك على ختن خير لك من عثمان الختن بمعنى الزوج يعني زوج البنت على ختن خير لك من عثمان وادل عثمان على خير له منك قال نعم يا رسول الله قال زوجني ابنتك وازوج عثمان ابنتي ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى عثمان فوجده عند باب المسجد فقال يا عثمان هذا جبريل اخبرني أن قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها وهكذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وتزوج عثمان أم كلثوم رضي الله عن الجميع دونك كنا موان الستواه dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Hafsa, la fille de Omar. En fait, le mari de Hafsa, qui s'appelle Khudaf ibn Saham, Radiallahu An, est fait partie des, des gens qui sont morts pendant la bataille de Badr. Et après donc le, euh, comment ça le délai de viduité de Hafsa, qui est de 4 mois et 10 jours, Uthman a été demandé à Omar de lui marier Hafsa. Mais Omar a refusé. Pourquoi est-ce que Omar a refusé de marier Uthman à sa fille Hafsa Pour la simple et unique raison que malgré le fait que la période de viduité était achevée, Hafsa ne se sentait pas encore prête pour le mariage. Et elle était encore touchée par la perte de son époux. Ce n'était donc pas encore le bon moment. C'est pour cela que Omar n'a pas euh, euh, répondu favorablement à la demande de Uthman. Par la suite, un peu après, <a> <tôt> n'était euh, a réussi à, à, à passer outre sa tristesse et se sentait prête pour se marier à nouveau. Vous le savez, chez les musulmans depuis toujours, jusqu'à il n'y a pas longtemps, une femme... Qu'elle soit veuve ou divorcée, ne restait pas longtemps seule. Très souvent, rapidement, elle se remariait. Au point où les hommes savaient quel jour exact la période de visite finissait. Et ils attendaient devant la porte de la maison. Et les femmes, le dernier jour de la période, للخطاب, se faisaient belles pour accueillir les prétendants. Ça n'attendait pas. Bref, on ne va pas ouvrir la porte sur cette euh, question-là, vous me connaissez, euh, après on ne s'arrête plus. Bismillah. Donc, quand, quand Hafsa était donc prête pour se remarier, Omar, qu'est-ce qu'il fait Il va voir ceux qu'il estime les meilleurs pour leur proposer sa fille. Et le premier vers qui il se dirige, c'est Abou Bakr. Et il dit voilà, est-ce que tu veux épouser ma fille Hafsa Il lui propose. Et Aboubak ne lui répond pas. Comme on dirait aujourd'hui, euh, il a lâché un vu. Hein il ne lui dit rien. Et là, Omar, euh, ça lui fait. Ça le touche. Qu'il ne lui dise rien. Mais il accepte, malgré lui, ce silence. Alors, il va voir Othman. Il dit à Othman Est-ce que tu veux encore te marier avec Hafsa et là, le il lui dit, laisse-moi réfléchir. Laisse-moi un peu de temps pour réfléchir. Omar lui dit, d'accord. Quelques jours après, Omar voit que le semaine ne vient pas le voir, alors il va à sa rencontre. Il lui dit, alors, tu as pris une décision Et là, Uthman, il lui dit, j'ai réfléchi et j'ai décidé qu'actuellement, je n'avais besoin, plus besoin de me marier. Mais en fait, à Bakr et le pourquoi ils ont... Répondu ainsi. Parce qu'il savait que le prophète alayhi wa sallam, avait évoqué, avait mentionné Hafsa et l'intention de se marier avec elle. Et comme il l'a dit ça secrètement, ils ont compris qu'il ne fallait pas que cette décision s'ébruite. Et donc, Abou Bakr, il n'a rien dit. Et Uthman, il a contourné la, la réponse pour ne pas euh, éveiller l'attention de Omar. Et quand le prophète a su. Que Omar allait voir Abu Bakr et Uthman pour leur proposer sa fille, il a été voir Omar, anhu. Et il lui a dit, est-ce que tu veux que je t'indique un gendre meilleur pour toi que Uthman? Comme je vais indiquer à Uthman un beau-père meilleur pour lui que toi. Et là, Omar il dit, oui, bien sûr. Dis-moi. Il lui dit, Marie-moi à Hafsa. Et moi je vais marier Uthman à um, à Kursum. le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, bien entendu, Omar accepte sans aucune hésitation. Et c'est ainsi que le prophète a épousé radhiyallahu anha. Après, il a été voir Uthman et il l'a trouvé à la porte de la mosquée. Et qu'est-ce qu'il lui dit Il lui dit, il lui dit hey, Uthman, voici que Jibril est venu m'informer qu'il t'a marié à Umm Kulsoum. مون أوتخ euh, في، اکين دوت ايكيفالونتا سال كو تشوا دوني ا رقيه، ايا كونديسيون كو تو كومبورتي اکيل، كوم تو رقيه، بور لا تاريخيه، يا حديث جميل جدا، في عثمان ورقيه، رواه ابن عساكر عن أسامه بن أسامه بن زيد رضي الله عنهما، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى منزل عثمان، بصحفه بصحفه لحم فدخلت فاذا رقيه جالسه فجعلت مره انظر الى وجهه الى وجه رقيه ومره انظر الى وجه عثمان فلما رجعت سالني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي دخلت عليهما قلت نعم قال هل رايت زوجا احسن منهما قلت لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وقد سبق أن ذكرنا أن عثمان كان من أجمل الناس وكذلك كانت رقية وجعل الله تبارك وتعالى بينهما الألفة والرحمة والمحبة والمودة فلذلك شرط النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان أن تكون صحبته لأم كلثوم على مثل ما كانت لرقية Puis là, il y a anhu et donc il lui a dit que euh, Jibril est venu m'informer qu'il t'a marié à Um Kulthum, donc son autre fille, avec une dot équivalente à celle que tu as donnée à Ruqayya, et à condition que tu te comportes avec elle comme tu l'étais avec, avec sa sœur Ruqayya. Et bien entendu, Uthman, anhu a accepté. Et euh, D'ailleurs, pour revenir à, au mariage de usman et de Ruqayya, il y a un hadith, un, un beau hadith qui a été rapporté par Ibn al d'après Oussama ibn Zaid. Il faut savoir que qu'Oussama ibn Zaid, à ce moment-là, c'est un petit garçon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'envoie avec une assiette dans laquelle il y a de la viande dans, dans, à, dans, à la maison de usman pour leur donner, à Uthman et à son épouse Ruqayya. Et quand il rentre dans la maison de Ruqayya et de Uthman, il trouve Ruqayya assise et Uthman présent dans la maison. Donc il rentre et il regarde tantôt le visage de Ruqayah, puis le visage de Uthman, et il reste longtemps comme ça à les regarder, l'un comme l'autre. Et il tarde. Puis il finit par retourner auprès du prophète, Et le prophète, il veut savoir pourquoi il a mis du temps à revenir. Il l'a envoyé avec une assiette de viande, ça ne devait pas durer longtemps normalement. Et dans une version d'image, il a dit, qu'est-ce qui t'a fait tarder Et là, Oussama, il, il n'ose pas répondre. Il a dit, t'es rentré chez eux Et là, Oussama, il dit, oui. Il lui a dit, est-ce que tu as déjà <coughs> vu un couple aussi beau Est-ce que tu as déjà vu un homme et une femme aussi beau ensemble Et là, Oussama dit, non. J'ai jamais vu un couple aussi Je n'ai jamais vu un couple aussi beau. <laughs> إحدى رحلاته أنه دخل قرية فوجد بها رجلاً وامراته فكان رجله فكان الرجل دميماً قد بلغ في القبح الغاية وكانت زوجته جميلة لم يرى مثلها قط في الحسن والملاحة فلم يملك الأصمعي نفسه واتجه نحوها فقال لها يا هذه كيف كيف ظافر ضاف مثل هذا بمثلك أيعقل أيوة هذا فقالت له اسكت يا هذا لعله عمل عملا صالحا فجزاه الله تعالى بي أو لعلي عملت عملا سيئا فجزاني الله به Donc, on a dit que Oussama, il longtemps Euh, à, à contempler le, le visage de Ruthman et de Ruqayya tellement ils étaient beaux. Et le prêtre il lui a dit, est-ce que tu as déjà vu un couple aussi beau ou dans lequel l'homme et la femme ils sont aussi beaux l'un comme l'autre Parce que c'est rare que les deux soient aussi beaux. Et, euh, et euh, comment on dit en français un équivalent Dégression Oh là là Je reconnais, mais je ne veux pas. J'ai un truc plus soft, plus facile. Entre parenthèses, ouais, parce que c'est des, des choses qui sont en commun, l'une fait penser à l'autre. Al-Asma'i, c'était un, 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 un aventurier de la langue arabe, qui parcourait les contrées de la péninsule à la recherche de la langue arabe la plus pure. Et donc il faisait de nombreux voyages. Et un jour qu'il rentre dans un village, il tombe sur un couple dans lequel l'homme est d'une laideur incomparable et la femme est d'une beauté inimaginable. Et lui, il tombe sur le couple comme ça. Subhanallah. Et il ne peut pas se retenir. Il faut que j'aille lui demander comment ça se fait que celui-là, il est avec elle. Alors il va la voir. Il lui dit, comment quelqu'un comme toi Peut être avec quelqu'un comme lui. Tu imagines le regarder. Hein. Moi? <laughs> et, euh, et là, elle lui répond: Tais-toi, toi, toi qu'est-ce que tu sais? Il est possible que il ait fait une action vertueuse et Allah l'a récompensé avec moi, ou que moi j'ai fait une mauvaise action et Allah m'a puni avec lui. Waljaza amal. attention, tu chez toi, tu vas femme <laughs> bizarrement. انت زعما المهم دونك النبي صلى الله عليه وسلم بامر من الله عز وجل avec sous l'ordre عليه الصلاه والسلام il عثمان رضي الله عنه او كلثوم رضي الله عنها وقد سبق ان ذكرنا روايه الامام احمد عن عبد الله بن الحسن وهي مرسله انه قال

أهل الأرض فقط أو أهل الأرض فقط بل روي روى أبو نعيم في الحلية عن نزال بن سبرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسألناه عن عثمان فقال ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين يدعى في الملأ الأعلى أي Et c'est ainsi que Uthman a obtenu ce titre extraordinaire et légendaire qui est celui qui a les deux lumières, car il a épousé les deux filles du prophète. Mais ne croyez pas que ce surnom. Seuls les gens sur terre lui donnaient. Mais des hommes ont interrogé Ali ibn Abi Talib, anhu, au sujet de Uthman. Il leur a répondu, il s'agit d'un homme qui est appelé dans l'assemblée ultime, thun celui qui a les deux lumières. C'est quoi l'assemblée ultime C'est l'assemblée des anges rapprochés, les anges les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril, wa Mikail, wa Israfil, وملك الموت وغيرهم لزوج الله سبحانه وتعالى فيلباغ ذو عثمان إلى بلا عثمان إلى ذو النورين إليابسي سمي كذلك لأنه تزوج ابنتي نبي وذكر غير واحد من أهل العلم أنه لم يسبق له مثال في تاريخ الدنيا كلها لم يوجد على وجه الأرض من لدن آدم عليه السلام إلى آخر رجل تقام عليه الساعة أحد تزوج ابنتي نبي واحد فقد روى ابو نعيم عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال إنما سمي عثمان ذا النورين لأنه لا يعلم أحد أغلق بابه على ابنتي نبي لله غيره وروى أيضا عن علي الجعفي أنه قال لابنه الحسين يا بني تدري لما سمي عثمان ذا النورين قال لا قال لأنه لم يجمع بين ابنتي نبي من لدن آدم إلى قيام الساعة إلا عثمان بن عفان Et عثمان بن عفان رضي الله عنه كي a joui de ce merveilleux ce, ce merveilleux surnom en Ce, en épousant Umm Kulthum, va faire une chose que jamais personne dans toute l'humanité n'a faite. Depuis la création de Adam jusqu'au jour sur lequel leur dernière se dressera, il a épousé deux filles du même prophète. Et ça, jamais personne ne l'a fait avant et jamais personne ne le fera après. Abul Nu'aim al-Asbahani rapporte, d'après Hassan al-Basir, que, le Hassan, que, le, que Uthman a été appelé d'Ul parce que jamais quelqu'un n'a fermé sa porte sur deux filles d'un seul prophète, dans l'intimité. Et euh, Ali el jufi disait à son fils, qui s'appelait Hussein, est-ce que tu sais pourquoi euh, Uthman a été appelé d'Ul Son fils y répondant. Il dit parce qu'il a épousé deux des filles du prophète, mais jamais personne depuis Adam jusqu'à la fin des temps n'a fait cela en dehors de lui. C'est-à-dire qu'il a, ça c'est c'est donc un de ses mérites qui lui est propre et spécifique dans lequel personne dans l'humanité entière ne peut s'associer à lui. Il a épousé les deux filles d'un seul et même prophète. Alayhi salatu wassalam. Sommet, غزوه بدر التي وقعت في السنه الثانيه من الهجره وقعت غزوه احد وغزوه احد وقعت في السنه الثالثه من الهجره في شهر شوال وشهدها عثمان لم يكن له ما يمنعه عن الحضور خلافا لما جرى في غزوه بدر ولقد علمتم ان غزوه احد من أصعب الغزوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما بعدما تخلف الرماة عن مقاعدهم وأحاط جيش المسلمين جيش المشركين من كل جانب واضطربت الأحوال وارتفع الغبار وأشاع الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فانقسم الناس إلى أقسام أو إن شئت فقل إلى قسمين والمقصود بالناس المسلمون فمنهم من ثبت وجعل يقاتل ويقول لنمت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك قبل أن يتبين لهم ان هذا الخبر مجرد اشاعه لا حقيقه له واما القسم الثاني فولى مدبرا وهذا القسم ايضا ينقسم الى قسمين قسم اتجه نحو الجبال واخر اتجه نحو المدينه وممن فر ذلك اليوم عثمان رضي الله عنه وجعل بعض آه مرضى القلوب يعيبون عليه ذلك مع ان للفارين من الاعذار العدد الكثير او العدد الكثير من هذه الاعذار ان ان عدد المقاتلين في جيش المشركين بلغ ثلاثه الاف وعدد المقاتلين في جيش المسلمين بعد ما أحاطوا أحاطوا بهم سبعمائة وقد تقرر في قواعد الشرع أنه يجوز الرجوع إلى الوراء إذا كان عدد عدد إذا كان عدد العدو ضعف عدد المسلمين وكان فوق ذلك ثم أضيف إلى هذا أن أنه أنه انتشر بينهم خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك لم يجدوا سببا يبرر وقوفهم وبقاءهم في ساحة القتال وكذلك يقال أن الذين فروا نحو الجبال ظنوا أنهم سيجدون هناك النبي صلى الله عليه وسلم والذي فروا نحو المدينه ظنوا ان ان العدو لم يكن لهم ليلحق بهم هناك ومع هذا كله انزل الله عز وجل في ايه تتلى الى ان يرث الله عز وجل الارض وما عليها انه قد عفا عنهم فقال سبحانه وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا ولقد عفا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم مع العلم أن الفرار من العدو في ساحة القتال من كبائر الذنوب كما جاء في الخبر الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المبقات وذكر فيهن التولي يوم الزحف وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فالفرار يوم الزحف من كبائر الذنوب لكن للصحابه للصحابه رضي الله عنهم الذين فروا ذلك اليوم اعذار وقد انزل الله تبارك وتعالى عفوه لهم في القران فلا سبيل الى عيبهم وتعييرهم ولومهم بذلك ونظير هذا ذلك الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري ومسلم وغيرهما أن موسى عليه السلام لقي آدم عليه السلام فقال له أنت آدم الذي بخطأ بخطيئتك أخرجت من الجنة فقال له آدم عليه السلام أتلومني على أمر قد كتبه الله علي خمسين ألف سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فحج ادم موسى اي غلبه في المحجه والمقصود ان الله تبارك وتعالى انزل توبته على على ادم بعد ما فعل فعله فقال سبحانه وتعالى ثم تاب عليه ربه وهدى فادم عليه السلام تاب الله تعالى عليه فلا يجوز لاحد ان يلوم احدا وقع في معصيه وذنب بعدما تاب لا سيما اذا كان هذا التائب ممن اخبر الله عز وجل انه عفى عنه فالتائب من الذنب لا كمن لا ذنب له فكيف بمن اخبر الله عز وجل عن عفوه له لماذا نقول هذا؟ لان طائفه من مرضى القلوب كما سبق كانوا يعيبون على عثمان ذلك وال Puis, après la bataille de Badr, qui a eu lieu, comme vous le savez tous, mes chers frères, bien-aimés, beaux et resplendissants, telles les étoiles dans un ciel d'été dans lequel il n'y a ni nuages, ni perturbations atmosphériques, bon, hein. <laughs> euh, qui a eu lieu, donc, je vous laisse du temps pour euh, vous souvenir euh, la date, hein Bon, je ne vais pas demander. Pardon Hein La deuxième année. Euh, Choisis <laughs> Quel mois Allah akbar. Qu'est-ce que tu en penses, euh, Zoubaï Et toi, Ahmed Tu sais pas Et toi, Non Kamel Marwan Quel mois, quel mois Il a dit Shawwal, à Drahi. Hein Ah mashaAllah, il t'a même donné le jour. Le 17 Ramadan de la deuxième année de l'égir. Il y a eu la bataille de Badr. L'année d'après, la troisième année de l'égir, au mois de Shawwal, le mois dans lequel nous sommes actuellement, il y a eu la bataille de Ohud. Cette bataille-là, comme vous le savez, est une des batailles les plus difficiles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a livrées, en sachant que toutes ces batailles étaient difficiles. Mais cela, était particulièrement difficile, pourquoi Parce qu'au départ, ils avaient le dessus et l'avantage. Et le prophète avait établi une stratégie militaire parfaite en plaçant des archers, une cinquantaine, sur le flanc de la montagne pour empêcher justement à l'armée adverse de faire le tour et de les attaquer par derrière. Et le prophète, comme vous le savez, a interdit aux archers de quitter leur place. Et il leur a dit, même si vous voyez les oiseaux descendre du ciel, s'abattre sur nous et nous arracher les membres les uns après les autres, vous ne bougez pas. Et si vous nous voyez ramasser le butin, vous ne bougez pas, vous aurez votre part par la suite. Et Allah, il a donné le dessus aux musulmans, au début de la bataille, malgré le fait qu'ils étaient inférieurs à eux d'un point de vue numérique. Et quand les archers ont vu les musulmans commencer à ramasser le butin, parce que les ennemis qui étaient alourdis par leurs équipements s'en débarrassaient pour partir plus vite, alors les musulmans, ils ramassaient ce qu'ils trouvaient sur le champ de bataille. Et là, la plupart des archers qui ont vu les musulmans ramasser le butin ont dit c'est bon, on a gagné, on peut y aller nous aussi. Et ils sont partis. Et seulement quelques-uns d'entre eux sont restés sur le flanc de la montagne, comme le prophète leur a ordonné à al Salam. Et c'est donc là, à ce moment, que Khalid ibn Walid, qui était avec les, les Moshlekin, fait le tour avec son équipe et euh, attaque les musulmans par derrière. Et donc, les Moshlekin qui étaient en train de partir et battre en retraite de l'autre côté, apprenant qu'une partie de leur armée ont encerclé l'armée des musulmans, ont fait demi-tour, et donc les musulmans se sont retrouvés encerclés des deux côtés par l'armée de leurs ennemis. Et là, il y a une perturbation énorme. Des combats dans, de, dans tous les sens. Et c'est dans une terre euh, sableuse, poussiéreuse, et avec euh, les chevaux qui galopent et les gens qui courent et les combats, il y a de la poussière partout, on ne voit rien. Donc, l'armée des musulmans se retrouve encerclée. Il y a une perturbation qui empêche de voir correctement autour de soi. Et le diable, il met son grain de sel. Et qu'est-ce qu'il fait Il crie dans le champ de bataille Mohamed <coughs> a été tué. <coughs> Et là, les musulmans qui entendent ça, ça y est. En entendant ça, ils se disent Quoi ouais, C'est plus la peine de combattre. Quoi en fait, qu'il est mort, il n'y a, a pas besoin de, de continuer. Et là, les compagnons se divisent en plusieurs groupes. Un groupe qui s'effondre et qui arrête de combattre, un groupe qui dit ben c'est pourquoi il est mort, mourrons nous aussi comme lui, de la même façon qu'il est mort sur le champ de bataille. Et ils ont continué à combattre et un groupe qui a battu en retraite et qui a fui le champ de bataille. Et dans le groupe qui a fui le champ de bataille, il y a un groupe qui s'est dirigé vers les montagnes et un groupe qui s'est dirigé vers la ville de Medine. Et Uthman ibn Affan anha faisait partie des combattants dans la bataille de Uhud. Cette fois, rien ne l'empêchait à la, à la, de, de participer à la bataille comme l'année d'avant pour la bataille de Badr. Et quand la bataille a commencé, il était avec les, les croyants autour du prophète en train de combattre sans aucun problème. Puis quand tout, tout, tout s'est enchaîné de cette façon-là, le a fait partie de ceux qui sont partis, qui ont fui. En sachant que fuir le champ de bataille fait partie des péchés capitaux. Allah dit dans le Quran, vous qui avez cru, ya amanu, kafaru lorsque vous rencontrez les, euh, les ceux qui ont mécru en, sur le champ de bataille, fala adbar. ne leur tournez pas le dos. Ne partez pas dans la direction opposée. <laughs> Et quiconque leur tourne le dos ce jour-là, il n'a motaharrifa ni Sauf celui qui va en retraite dans les euh, conditions qui le permettent ou pour rejoindre une partie de l'armée, cela, ils ne rentre pas dans la menace. Mais ceux qui leur tournent le dos et qui ne rentrent pas dans cela, il a certes mérité la, la colère d'Allah, et son, sa, son refuge sera l'enfer, et quelle détestable destination. Mais, et le prophète, pardon, sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, éloignez-vous. Soyez à l'opposé des sept péchés capitaux. Et il a évoqué dans ces sept péchés là, à Tawali, le fait de, de, de partir le jour de la rencontre avec l'ennemi. Donc fuir le champ de bataille face à l'ennemi fait partie des grands péchés. Et il y a des gens au cœur malade qui sont, se sont servis de cet événement là pour faire des reproches à Uthman et pour justifier leur désobéissance envers lui, plus tard notamment quand il deviendra calife. Et il est important de préciser plusieurs choses. Déjà, premièrement, il y a de nombreuses circonstances qui excusent ceux qui sont partis. Déjà, le fait que le nombre de combattants dans l'armée des musulmans était largement inférieur à celui, du nombre des, de, de, à celui des combattants dans l'armée des, des, des mécréants. Les musulmans étaient 700, enfin, vous vous rappelez l'histoire au début, c'était 1000. Et quand ils sont arrivés sur le champ de bataille, Abdullah Ibn Ubayy il a dit Moi, je n'ai pas ben il a signé pour ça, et il est retourné à Médine Et il a emmené avec lui 300 personnes. Donc, ça passait de 2000 à 700. En face, les mouchrikines étaient au nombre de 3000. Et parmi les règles évoquées et mentionnées dans la législation islamique, c'est qu'il est permis de battre en retraite lorsque le nombre de l'ennemi est deux fois plus important que le nombre des combattants dans l'armée des musulmans. Et là, on était largement au-dessus du double. Ensuite, il a été, il s'est propagé dans l'armée des musulmans que le prophète était mort. wassalam. Alors, donc déjà s'ils sont partis même sans cette raison-là, ils ont une excuse. Ensuite, le prophète, qui est le chef de l'armée, celui qui donne les directives, il pensait qu'il était mort. Alors ils se sont dit, comme on l'a dit, qu'il n'y a plus de raison de combattre. Et ils sont, ils sont partis. Et euh, même si, allez, allons jusqu'au bout, ils n'ont pas d'excuse. Supposons, Allah Azza wa Jal, dans le Coran a révélé, dans le 155e verset de Surat Ali Imran, cette parole où il dit Ceux qui se sont détournés parmi vous le jour où les deux groupes se sont réunis, les deux armées. Ce n'est que le diable qui les a fait tomber dans cette erreur-là à cause de certaines de leurs actions accomplies, accomplies précédemment. C'est le diable qui les a fait tomber dans cette erreur-là. Il les a effrayés. والله تعالى يقول في في السورة نفسها إن إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين قال أهل التفسير المقصود إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه هذا هو المراد وليس يخوف أولياءه لأن من عادة الشيطان أن يزين لأوليائه الحرام و Donc Allah il dit que le diable les a fait tomber dans l'erreur en leur faisant peur et en remplissant leur poitrine de frayeur. Comme Allah le dit dans l'autre verset, ce n'est que le diable qui vous effraie par le biais de ses alliés. N'ayez pas peur d'eux et ayez peur de moi si vraiment vous êtes croyants. Donc Allah il informe dans ce verset que c'est à cause du diable et de ses ruses machiavéliques que ceux qui ont quitté le champ de bataille l'ont fait. Puis il dit proportionnellement à quelques-unes des actions qu'ils ont accomplies auparavant. C'est par cette porte-là que le diable il a eu accès à eux. Puis Allah a dit Et certainement, Allah les a absous. Il a absous leurs péchés dans le sens, il les a effacés. Ils ont été pardonnés. Allah a révélé dans ce verset que ceux qui ont fui le champ de bataille ce jour-là ont été pardonnés. Innallaha <médiculé> Halim. Certes, Allah est pardonneur et indulgent. Halim. ya ma Allah Yani, il pardonne. Tout en étant capable de punir. Donc il les a épargnés de la punition et il a effacé leur péché par le biais de l'absolution. Et euh, après cela, il devient strictement interdit de reprocher à quiconque a fui ce jour-là de l'avoir fait ou de lui attribuer l'accomplissement d'un grand péché. Allah, il lui a pardonné. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris à travers une histoire qu'il ne fallait pas reprocher au pécheur son péché après son repentir. Dans cette histoire-là, c'est la rencontre entre deux prophètes, Moussa ibn Imran, alayhi salatu salam et Adam, Abu'l-Bashar, al alayhi salatu Moussa, il rencontre Adam. Il lui dit, c'est toi Adam Celui par la faute duquel tu es sorti du paradis, ou on t'a sorti du paradis, et là Adam il lui répond Et c'est toi Moussa Celui à qui Allah a révélé la Torah Et à qui il a parlé Sans intermédiaire Moussa dit oui Il dit t'as pas trouvé dans ce qu'Allah qu t'a révélé Qu'Allah Ta'ala Avait écrit Que je ferais cela 50 000 ans Avant de créer les cieux et la terre Et là Moussa il répond oui. Et le prophète il conclut Cette histoire en disant Adam a eu le dessus sur Moussa dans, cette, dans cet échange-là. Et les savants ont déduit que celui qui fait une erreur ou un péché et qui s'en repent, il n'est pas permis de lui faire le reproche d'avoir fait ce péché-là. Celui qui se repent du péché est comme celui qui n'en a pas. Et là, on parle de quelqu'un qui s'est repenti de son péché sans pour autant savoir si Allah a accepté ou non son repentir. Que dire alors de quelqu'un dont Allah a accepté le repentir Allah dans le Qur'an, il nous informe qu'il a accepté le repentir d'Adam et lui a pardonné. « Fatalakka Adam min Rabbihi kalimatin fataba alayhi, thumma jtabahu rabbuhu fataba alayhi hada en parlant de Adam Allah nous affirme dans le Qur'an qu'il lui a pardonné et lui a accepté son repentir Eh bien pareil ici avec ceux qui ont fui le jour de Uhud parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa anhum. et assurément et certainement Allah a effacé leurs <coughs> péchés. ils sont plus de péché ensuite

غير ان معناه صحيح يؤيده العديد من الاحاديث وكذلك من اقوال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين ومن تبعهم باحسان وفي روايه اخرى قال يروى انه قال عليه الصلاه والسلام لا تظهر الشماته على اخيك فيعافه فيعافيه الله ويبتليك Prends garde, toi qui, Mashallah, fais des bonnes actions, fais la prière et évite les péchés du plus qu'il le peut, quand tu vois quelqu'un éprouvé par le péché, de le dénigrer et de lui reprocher, comme si tu étais au-dessus de lui et supérieur à lui, parce qu'il est possible qu'Allah l'épargne et qu'il t'éprouve de la même façon qu'il l'a éprouvé lui. Il a été rapporté. Dans des narrations comportant des faiblesses que le prophète aurait dit quiconque critique son frère pour un péché qu'il a commis ne mourra pas avant de l'avoir lui-même accompli. Et dans verset, dans l'autre version pardon du hadith, la tadhhirish shamatata ala akhik. Qu'est-ce que shamata Comme on dit nous a un هو لَمَّا يُصَابُ عَدُوُّكَ بِالْمُصِيبَةِ هذا هو الشماتة سبب ما الشماتة؟ c'est le fait de manifester de la joie lorsque ton ennemi est touché par un malheur qu'est-ce qu'il a dit Haroun عليه السلام à son frère Moussa؟ قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء لا تشمت؟ Qu'est-ce que dit Haroun à Moussa, à Moussa Quand Moussa il revient après son rendez-vous dans lequel il s'est absenté 40 jours et qu'il trouve son peuple en train d'adorer le veau d'or. Il s'en prend à hein, Haroun à qui il avait confié de surveiller son peuple en son absence. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وفي طه ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري إذن هارون fait grondé entre guillemets par موسى alayhi salam qui lui reproche de ne pas avoir géré Banu Israël en son absence et là هارون alayhi salam il lui dit le peuple Ne m'ont laissé aucun moyen. Ils Et ils ont failli me tuer. Ne rends pas par ma cause les ennemis heureux en me faisant ce reproche devant eux. Et donc, ça c'est même pas de la faute de Othman. Et pourtant, il a dit ne, 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 ne rends pas nos ennemis heureux en m'adressant des reproches devant eux. On revient au hadith. Ne manifeste pas de joie quand ton frère accomplit un péché. Tu imagines hadith. un Est-ce que c'est concevable, imaginable, possible qu'un croyant voit son frère désobéir à Allah et être heureux? مصيبة والله الذي يفرح عندما يشاهد أخاه يقع في المعصية لم يحقق الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فكما أنك تحب لنفسك الإيمان وتبغ وتبغض لها العصيان فيجب أن تحب لإخوانك الإيمان وأن تبغض لهم العصيان Celui qui est heureux quand il voit son frère tomber dans le N'a pas réalisé concrètement et complètement la foi. Comment Cela, le prophète dit, sallallahu nul d'entre vous le croira réellement tant qu'il n'aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et celui qui aime pour lui l'obéissance la, la, et déteste pour lui la désobéissance doit l'aimer pour ses frères, il y a ni l'obéissance, et la détester, la désobéissance pour ses frères. Tu vois, ton frère fait un peu j'étais content, dis, hein, qui donc il dit « Ne fais pas cela, car il est probable qu'Allah l'épargne et que toi il t'éprouve. » Surtout quand cette personne-là, elle, elle se repent. On a connu des gens qui étaient très loin. Et on ne euh, prétend pas nous-mêmes avoir toujours été euh, ici. Euh, nous aussi... On on n'a pas toujours été à la mosquée. Et comme Allah a dit dans le Quran, ah, C'est comme ça que vous étiez auparavant. Mais Allah, il vous a fait toute sa grâce. Alors, demandez-la pour vos frères qui sont éprouvés par le péché. Et donc, quand tu vois un frère à toi dans le péché, alors, déjà premièrement, demande à Allah, il t'épargne. Première chose, Laisse ta fille tu n'es pas en mesure de garantir de ne pas tomber dans le même péché que lui, premièrement. Deuxièmement, de remercier Allah de t'avoir épargné. Troisièmement, va conseiller franchement ton frère comme on te l'a ordonné. Quatrièmement, Udullaha, lahu bil hidaya. Invoque Allah Ta'ala pour qu'il le guide. Cinquièmement, Ustur alay. Faman satara. Ala ahihi satara Allah satarahua alayhi fiddunya wa al-akhirah. Et cinquièmement, cache ses péchés et préserve son honneur. Car quiconque cache les péchés de son frère, Allah cachera les siens ici-bas et dans l'au-delà. C'est comme ça qu'il faut se comporter, mes frères. Et malheureusement. كما ان ان شاء الله تعالى، il y a des gens qui vont se permettre apres cela de reprocher a Uthman d'avoir le jour de Uhud. Et لنضرب على ذلك مثلا في حديث رواه البخاري عن عثمان بن موهب, موهب عفوا رحمه الله ان رجلا دخل في مجلس ابن عمر في ايام الحج فقال له اني سائلك عن شيء اتحدثني فقال ابن عمر نعم قال الرجل انشدك بحرمه هذا البيت اتعلم ان عثمان في يوم احد ان عثمان فر في يوم احد فقال ابن عمر نعم قال الرجل فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها قال ابن عمر نعم فقال الرجل فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها فقال ابن عمر نعم فكبر الرجل الله أكبر إظهارا لفرحته لما بلغه من توكيد ابن عمر لما يقال في عثمان ثم قال له عبد الله بن عمر تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه أما فراره يوم أحد فاشهد ان الله عفا عنه واما تغيبه عن بدر فانه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان لك اجر من شهد بدرا وسهمه واما تغيبه عن, عن بيعه الرضوان فانه لو كان احد اعز ببطن مكه من عثمان بن عفان لبعثه مكانه فبعث عثمان وكانت بيعه عثمان بعدما ذهب عثمان الى مكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه عن عثمان فضرب بها على يده اليسرى فقال هذه لعثمان ثم قال للرجل اذهب بهذا معك وفي روايه اخرى عند البخاري ايضا ان ابن عمر رضي الله عنه قال له بعد ذلك لهذا الرجل السائل لعل ذلك يسوءك فقال الرجل نعم فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنها أرغم الله بها أنفك أو أرغم الله بأنفك يعني خبت وخسرت وذقت المسكنة والمذلة pour البخاري rapporte d'après Uthman ibn رحمة الله عليه que un homme est venu voir عبد الله بن عمر رضي الله عنه longtemps après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام pendant le califat de veux t'interroger sur certaines choses, est-ce que tu veux me, ré me répondre? Abdullah ibn Omar lui dit vas-y. Et lui dit, je te demande, d'après la sacralité de cette demeure, la Mecque, est-ce que c'est vrai que Uthman a fui le jour de Uhud? Ibn Omar dit oui. Alors il lui dit, est-ce que c'est vrai que Uthman n'a pas absenté le jour de la bataille de Badr et n'a pas, pas assisté à la bataille? Et Abdullah ibn Omar lui dit oui. Et là il lui dit, est-ce que c'est vrai? Que Uthman s'est absenté lors de l'allégeance du pacte de la satisfaction dont on parlera la prochaine fois, Inch'Allah. Et là, Abdullah ibn Omar dit oui. Et là, il croit, il fait quoi Ya Allahu Akbar Il crie Allahu ou Akbar. Pour manifester sa, sa joie, après avoir entendu les réponses de Abdullah ibn Omar qui ne font que confirmer les bruits qui courent à l'égard de Uthman. Et en gros, il était content d'entendre ça. Ah, c'est bien, il était content. Et là, Abdullah ibn Omar lui dit, viens viens, je vais t'expliquer les raisons de ces réponses. Quant à sa fuite le jour de Uhud, je prends Allah à témoin et j'atteste qu'Allah il leur a pardonné. En faisant référence au verset, Allah Allah dit Quant à son absence le jour de Badr, c'est parce que son épouse était la fille du prophète, elle était malade et il n'a pas pu nous accompagner. Et le prophète lui a dit tu as, la récompense, tu as la même récompense que ceux qui ont assisté à la bataille ainsi que la part du butin de l'un d'entre eux. Et quant à son absence lors du pacte d'allégeance de Ridwan, c'est parce qu'il n'y avait personne de plus noble que lui à la Mecque pour être envoyé par le prophète pour négocier avec Quraysh. Et s'il y avait quelqu'un qui avait une présidence supérieure à la sienne, il l'aurait envoyé à sa place. Et quand les gens ont prêté allégeance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Uthman était à la Mecque selon l'ordre que le prophète lui a donné wa sallam. Après, il dit à maintenant tu peux partir et prendre ses réponses avec toi. Et dans une version chez le Bukhari, toujours. Quand, Uthman, quand Abdullah ibn Omar dit ça à l'homme, il dit ça, ça te déplaît ce que je viens de te dire ah, Tu étais content Il dit Mais maintenant, tu es content ou pas il fait Non, je suis pas content. Parce que lui, il est venu chercher des asbab qui viendront justifier la haine qu'il a envers Uthman, et il a trouvé le contraire et des excuses et des justifications qui défendent son honneur. Alors il lui a dit eh bien, Dans ces cas-là, qu'Allah il il t'avilisse avec ces réponses-là. Allahu biha. biha. Anfak. Et. Euh, c'est comme ça que les sahabas, ont défendu l'honneur de Uthman, Et c'est comme ça qu'ils ont éduqué les générations suivantes à respecter l'honneur des compagnons du prophète. Et que quand bien même une erreur leur serait attribuée, on leur cherche des excuses et... غوفيا وفيغ سياج جني غود وإن كان الله يزاحم وللحديث بقية نأجله إلى الدرس المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين العالمين وبارك الله فيكم